à tous. Aujourd'hui, nous sommes aux Enfants de la Terre pour parler vrac, bio et produits régionaux. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Doria. Roxane. Bienvenue aux Enfants de la Terre. Alors dites-moi Roxane, que peut-on trouver aux Enfants de la Terre? Alors on peut trouver pas mal de produits aux Enfants de la Terre. Par exemple, ici on a tout un coin artisanat. Donc, idée cadeau, si vous voulez offrir quelque chose, vous pouvez venir ici. On a aussi toute une partie cosmétique avec des savons naturels, des produits de beauté le plus naturel possible et sans déchets. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Dans cette pièce, on a le coin apéro, donc avec diverses choses pour prendre l'apéro, boire l'apéro aussi. On a des bières artisanales locales. Et puis, pour terminer, ici, on a des produits ménagers, donc pour la plupart en vrac, et puis le plus naturel possible également. Donc voilà ce qu'on a dans cette pièce. Un très grand choix. Oui. On a également pas mal de produits, genre céréales, produits secs. Oui. Donc ici, par exemple, vous avez les silos avec différents muesli ou des fruits secs, du riz, des lentilles, enfin toutes sortes de produits secs couramment utilisés. On a aussi ici au centre des fruits secs, des mélanges de graines, des farines bien sûr, et puis on a un coin douceur, il ne faut pas oublier la douceur quand même, donc avec des chocolats, du cacao et des pâtes aussi. Et il y a aussi du frais aux Enfants de la Terre. Effectivement, deux fois par semaine, on reçoit nos fruits et légumes, qui sont principalement de Suisse et de la région. On travaille aussi également avec le jardin des turicules, qui se trouve ici à Cernier. Donc c'est vraiment plus local, on ne peut pas. Et voilà, venez faire le plein de vitamines. Alors vous, Sarah, vous êtes une habituée des Enfants de la Terre. Oui, oui, j'aime bien venir ici, une fois par semaine. Une fois par semaine, super. Et qu'est-ce que vous achetez en règle générale? Je fais ma réserve de flocons d'avoine, de riz, de granola, et puis d'autres petites choses. Alors, en règle générale, on pourrait dire les Enfants de la Terre, c'est super. Ah, c'est super, et le bio, c'est bien. Mais aux Enfants de la Terre, on peut également boire le thé ou le café, n'est-ce pas, ces dames? Oui, oui. Alors, on vous dit à bientôt à Cernier, ici, aux Enfants de la Terre. Merci. À bientôt. Merci.